锵锵三人行，这个国际纪录片大师啊，雅克贝汉导演来到中国，来到锵锵三人行。哎，有一个现象可以反映现在中国的这个电影观众啊，电影市场啊，确实越来权重越来越大。所以呢，你正在看到或者就将要看到，就很多国际级的大导演现在纷纷到中国来宣传。那这次呢，这个雅克导演就是携他的最新力作啊，叫《地球四季》，哎，来到中国跟咱们这个交流。75岁的老导演，我觉得上天下海，对，跋涉森林，人能到得了、到不了的地方，他都到了。是什么让您愿意做这样辛苦的事、艰苦的事呢 ？Moi, j'ai une seule vie. Je sais pas, il y a des gens qui en ont plusieurs. Moi, j'en ai qu'une seule. Je tiens à en profiter. Je tiens à faire des choses qui m'intéressent. Je tiens à pas perdre du temps. Je tiens à remplir ma vie avec toutes les formes de bonheur possibles. Donc, c'est des choses risquées, c'est des choses difficiles. Vous savez.Quand vous êtes navigateur, faire du bateau, on y rêve tous, les jeunes, d'aller au Cap Horn, au sud de l'Amérique du Sud, de passer par le Cap Horn et de revenir par le Pacifique. Alors quand les navigateurs, on les imagine au sud, on dit c'est épouvantable, mais la mer est mauvaise et tout. Attendez, ils attendent des mois, des années pour vivre quelque chose d'intense. Donc quand on a la possibilité...de vivre ces choses intenses, mais quel bonheur que de vivre ces expériences-là. 所以咱们可以看一下雅克导演这次这个《地球四季》的一段宣传片。而且这个雅克导演啊，他这个为人所称道的是他的这个动物的纪录片呢，不仅是个动物世界，其实他是人文情怀，甚至有哲学的这种情怀。比如说他可以探索地球说20000年的历史，很穿越。甚至你知道他们怎么拍啊？他要选择一个景点要拍这个地方的森林，他要避开某些植物，因为这些植物呢，在10000年前还不存在。所以他要这么来拍，所以有很多这个专家呀、环境研究的团队在跟他们一起工作。所以我也想问问啊，雅克导演，您来过不少次中国了，对北京的雾霾有享受过吗？这几天北京天气真好。J'ai vécu du smog, c'est tragique. Et il y a des villes, hein, il y a bien sûr Pékin, il y en a dans le monde, il y en a. Londres a été connu.Pour le smog, hein, c'est pas que le brouillard, mais c'est aussi le brouillard industriel. Il y a des tas de vies, de villes, de pays dans lesquels ce que fait l'homme sur la planète, c'est inadmissible. Comment fait-on ? On va arriver à ne plus pouvoir, par bêtise, pour faire encore plus, pour gagner de l'argent, pour avoir encore plus de produits industriels. Donc on va faire des industries et il y aura de plus en plus de brouillard. Est-ce que c'est raisonnable ?Mais c'est raisonnable. Imaginez qu'il y ait quelqu'un qui vienne d'une autre planète, un martien. Il regarde tout ce que l'on fait, mais ils sont fous. Mais ils sont fous, qu'est-ce qu'ils font? Mais arrêtez, tranquillisez-vous. 现在在中国，有这样一个问题，它可能有一个矛盾。比如说，我们要想让空气更好，也许有一些钢铁厂就要关门。那么，如果关门了呢？也许会有很多工人，他们就会失业。哎，甚至生活很难继续下去，那这个矛盾你怎么看？哎呀 ，la société, ce que l'on fait dans nos agglomérations, c'est en complète contradiction avec les aspirations de chacun. Donc chacun voudrait mieux vivre, chacun voudrait que ça change. Puis il y a la collectivité, et la collectivité, c'est là quelques-uns qui dirigent la collectivité.Donc on se soucie d'une tranche de l'humanité et pas de l'autre. Que voulez-vous ? La vie socialement est injuste depuis combien de temps ? Depuis combien d'années ? Depuis combien de siècles ? Alors faut espérer qu'il y a des beaux exemples. C'est cet homme, cette femme,
cette association, qui prennent des initiatives et qui font en sorte, on va faire en sorte que la rivière ne soit pas polluée, qu'il y ait de la belle eau claire et qui sonne juste, c'est comme de la musique de l'eau claire. Donc il y a des gens qui s'y intéressent. Et quand on regarde ici, il y a des tas de gens, ben, il faut amener le plus nombreux gens à côté de ceux qui savent que c'est important. C'est important parce que il y a deux issues. Ou on continue à ce rythme et on va dans l'impasse, on va dans le mur et c'est la catastrophe de l'humanité. Est-ce qu'on le souhaite? Est-ce qu'on le veut? Ou est-ce qu'on veut que dans la mer, il y ait des poissons? Est-ce que l'on veut que les neiges ne fondent pas tout de suite, qu'il y a toujours des neiges éternelles? Est-ce que l'on veut profiter de cette planète qui est la seule dans l'espace? C'est la seule. La seule quand il n'y a pas de comparaison. Si elle meurt, c'est foutu. Et quand est-ce que on parlera, mais pas simplement sérieusement, mais gravement? Quand est-ce qu'il n'y aura pas une COP21, mais qu'il y en aura une tous les jours? Quand est-ce qu'il n'y aura pas simplement des hommes politiques qui viennent pendant 2 jours, qui réfléchissent et qui font des grandes déclarations? Non, faut montrer l'exemple. Il y a l'exemple, c'est pas les déclarations. Faut montrer l'exemple. Alors les exemples des individus, les exemples des associations, et même les exemples des hommes politiques, mais qui les prennent? Mais je pense que les hommes politiques sont beaucoup plus préoccupés par leur propre réussite que le bien commun. C'est le malheur de nos sociétés. Et on vit, on s'arrange, et on espère que ça ira mieux. 我觉得讲到这里哦，这话题就感觉特别沉重。嗯，但是我只能够祷告，就是聪明的人类，当你在制造，问题的同时，你要想到解决的方式。那我觉得导演他们在做的事情呢，更多的是利用这样子的画面来提醒我们，喂，你们是不是做得太过分了？所以我们现在有时候会好奇，到底什么叫自然？什么叫自然？就是自从人类出现以后，人类也参与了改变自然的这个过程。所以有时候有人提出这样一个观点，比如说我们要保护自然，要保护森林，但是原本呢，是不是只有上帝才知道到底哪一种动物它应该有多少数量？因为呢，有的时候啊，这个动物之间有一种像这个达尔文的进化论，这个食物链，哎，你吃它，你吃它，你吃它，你吃它，然后最后呢，它们的数量达到了一个平衡。可是现在人在当中呢，好像起的作用非常的大。但是呢，按照有些极端的这个环境主义者的看法，就是那么人类你最好回到动物的状态，那样你就要对自然呢干预的最少。可是实际上，到底这个人的出现在多大程度上改变了这个自然，就是这个自然当中森林该有多大，某一个动物的数量该有多少，这个到底谁能够知道它是合适的呢？你比如说过去在中国有过那种啊，要消灭某一个东西，比如说打麻雀，要把全国，那个时候很疯狂，把全国的麻雀都杀光，但杀光之后他会发现另外的他的天敌啊特别多的繁殖了出来，就等于你这个生态平衡被打乱了，坏掉了。所以我想请雅克导演讲讲你对这方面的思考，就是在有人类出现以后，到底什么是自然的？对。Vous savez, je suis pas un scientifique, je suis tout juste un cinéaste, donc je ressens, je comprends avec mon ami Jacques Clouzot, on essaye de traduire ce qui nous touche. Mais quand on fait nos films, on est toujours avec des scientifiques. Donc les scientifiques nous montrent le chemin, nous disent, nous expliquent la forêt, les arbres, nous expliquent tel animal, et puis après on fait nos films en toute liberté. Et on a une chose en plus que les scientifiques n'ont pas. Les scientifiques savent tout, ils connaissent tout, mais ils ne voient rien. Parce qu'ils ne voient rien, nous on est les premiers à avoir volé avec les oiseaux. Ils ne l'ont jamais vu, les scientifiques. Aller sous la mer, sous la surface de la mer, à grande vitesse, en suivant les thons, en suivant les dauphins, personne ne l'avait fait. On est les premiers. Donc les scientifiques nous aident beaucoup, mais comme ils ont été admirable avec nous, on leur rend leur gentillesse et on leur montre des images qu'ils ont rêvé de voir toute leur vie. Quand vous parlez de la position de l'homme sur la Terre,
Vous savez, il y a 12 000 ans, il y avait tout dans l'hémisphère nord, la nôtre, tout était entouré de glace. Des glaces de 2 km, hein, un peu importantes. Puis il y a eu un réchauffement, comme on a en ce moment. Et le réchauffement a fait fondre les glaces, lever le niveau des mers. Et donc, il y avait très peu d'hommes. Il y avait quelques animaux qui attendaient, qui étaient dans des petites niches, réparties un petit peu dans l'Europe, mais surtout dans l'hémisphère sud, et qui sont montés, jusqu'à ce qu'ils trouvent des grands arbres. Les grands arbres ont grandi aussi avec le réchauffement. Et ça a été le paradis. Le paradis des animaux. Et dans les animaux, il y a eu des hommes aussi qui sont venus. Mais les hommes, ils ont un esprit conquérant. Même s'il n'y a pas la guerre, ils veulent gagner. Et ils ont gagné. Et ils ont gagné sur les individus, sur les animaux. Et leur victoire, c'est un désastre. Parce qu'ils ont évolué, ils ont pris de plus en plus de place, et ils ont voulu de la place nette. Alors donc, les animaux, ils nous embarrassent, on les mettra de côté. Et c'est ce qu'on a fait pendant 10 000 ans. Alors avant, il y avait en Europe, en tout cas, des grandes forêts. On entendait des troupeaux d'animaux qui couraient de tous les côtés. Il y avait des oiseaux qui passaient. C'était le paradis, ça a été. Et puis voilà, il y a l'homme qui avait besoin d'être maître sur Terre. Il avait besoin d'annoncer sa victoire. Et sa victoire, c'est une défaite. Et tout ce que l'on essaye de faire maintenant, les actions qui sont faites par des écologistes et autres, c'est de dire, attendez, on n'a pas besoin de gagner la victoire, on l'a eue. Mais à quoi ça sert cette victoire? Si on ne peut pas la partager avec les autres. Et les autres, c'est qui? Ce sont les animaux. Que l'on donne un peu d'espace, de liberté et des territoires. Originellement, les territoires où nous sommes appartenaient aux animaux. Ne leur rendons pas tout, mais leur donnons-leur un petit peu. Et quand on leur donne un petit peu, c'est pas pour être généreux, pour dire faut être gentil avec les animaux, c'est qu'on en a besoin. S'il n'y a pas la différence, s'il n'y a pas les animaux, eh bien, ça devient triste. Et ce serait imaginer une planète où il n'y a que des animaux. Vous vous rendez compte? Mais s'il n'y a que des êtres entre nous, on n'a plus d'animaux. Ce serait épouvantable. Donc pour respirer, pour trouver la liberté, c'est en regardant l'animal, pourvu qu'il vive, que l'on sait ce que c'est que la liberté. 是跟动物争谁赢谁输，这也太 low 了。这个锵锵三人行广告之后见。一些中国的话题，我挺想听听这个法国人的意见啊。您知道在中国呀、啊、曾经有一个很著名的争论，这个争论到现在还存在，就是在有些地方人们还有这个吃狗肉的习俗，这是他的上千年的一个传统，哎，他吃狗肉。但是现在呢，在中国好像有更多的爱狗的人很反对这样，于是这些人呢甚至跑到这些吃狗肉的人饭桌旁边啊，举起标语啊，去抗议啊，要他们不能再吃狗肉啊，甚至把他们弄来的狗啊偷偷的给解救出来给运走。这个呢人们有不同的意见啊，有的人认为呢就说吃狗肉就和吃这个牛肉羊肉对于这些地区的人来说没有什么区别。但是好像现在啊更大范围的这个世界范围内啊对这个吃狗肉好像都很讨厌，那对这个争论，我想知道您的观点。Moi j'ai une éducation très européenne et ça vient pas dans notre esprit de manger du chien. Mais je suis persuadé que nous mangeons des choses en Europe que vous ne comprenez pas. La simple chose, je vous disais tout à l'heure, la première, c'est de ne pas souffrir. Et quand on voit les chiens qui sont mangés en Asie, on imagine comment ils ont vécu jusqu'au moment où on les tue pour des produits de consommation. Donc c'est l'agonie, c'est la souffrance qui est la première chose insupportable. On n'a pas le droit de faire souffrir d'autres êtres vivants. Maintenant, les chiens,
Nous, quand on a fait ce film avec Jacques Clouseau, Les océans, il y a des pays où on ne tue plus la baleine, on ne la tue plus, parce qu'il y a eu ce film, et les requins, parce que là, on s'est interdit. Je crois qu'il y a même une chaîne de restauration en Chine qui ne fait plus manger du requin, tout simplement parce qu'ils ont été choqués par les ailerons qui sont enlevés. Vous mangez du poisson ? Non, non, je ne suis pas. Je ne suis pas. Je suis presque, mais je ne suis pas. Je ne suis pas encore. 我觉得应该问问导演，就是说这次他为我们带来这部《地球四季》，他最希望我们在这部电影里面看到什么？最大的亮点是什么？Les points flash, ben les points de vue originaux, les points de vue originaux, c'est en tout cas de comprendre que il y a des animaux que l'on dit prédateurs. Qui sont cruels, qui sont méchants. On a l'exemple en Europe, le loup. Il y a toute une histoire du loup depuis des temps immémoriaux. Le loup, c'est le loup qui va dans les campagnes, c'est le loup qui mange les enfants des villageois. Fais attention quand tu sors, il y a le méchant loup. Et puis, il n'y a plus de loup en France. Il y en a 300, 400, donc on les a enlevés. Et récemment, on a un ministère qui a demandé de tuer encore plus de loups. Mais pourquoi il y en a déjà presque plus? Alors qu'il y a des pays, en Italie, en Allemagne, certains pays de l'Est, de l'Europe, où on accepte la présence des loups. Et ça se passe bien. Mais en France, il y a une telle peur de l'histoire fausse, de la légende du loup, que, ben voilà, on les massacre. Et vraiment, nous, moi, j'ai, avec Jacques Clouseau, on a 8 loups. Pour faire le film, on avait 8 loups. Donc, ils sont pas terribles. Hein. Je veux dire, ils deviennent, à force de la peur qu'ils nous offrent, que nous avons, donc comme nous avons peur, on se protège. Et donc, on chasse le loup. Et le loup se défend. Mais c'est idiot. Et en fait, quand on dit aux enfants, fais attention au loup, en fait, maintenant, les loups disent aux petits louveteaux, aux petits, fais attention aux hommes. Parce que plus dangereux que nous, il y a l'homme. L'homme, c'est beaucoup plus dangereux. 那我们没有过去没有这种经验，就是在这么近的距离内看一个动物。因为这个雅克导演他就是说，越逼近越真实。哎，平常我们都是离着很远的距离在看，我不知道当我们这个人类的情感呢。 跟他们就是面对面，甚至面贴面这么近的距离的时候，会有什么新的发现，或者在心里啊会产生什么震动吗 ？Mais d'abord, on s'est aperçu d'une chose quand on étudie les animaux, quand on regarde bien les animaux, bizarrement, c'est on apprend beaucoup de choses sur nous-mêmes. Hein? C'est pas que les animaux, parce que les animaux ont des sentiments. Des animaux ont de la tendresse, font attention aux petits, sont courageux. Il y a des pouvoirs. Hein, dans une meute, avec différents chiens, il y en a toujours un qui est leader. Donc tous les phénomènes sociaux que nous avons, les animaux ont les mêmes. Donc quand on le traque, quand on lui fait peur, il perd ses qualités qui sont innées, qu'on a toujours eues. Donc... quand est-ce qu'on comprendra pour protéger la vie animale dont nous avons besoin que les animaux, ça ne s'arrête pas animaux, il n'y a pas que ce mot-là, il y a autre chose. Ils sont capables de... On peut leur faire comprendre. On peut... Mais c'est même pas leur faire comprendre. Quand ils sont dans la nature, ils savent s'équilibrer. Ils savent... un homme, vous savez, un homme, quand il est dans la nature... il peut tuer une personne s'il est de la folie, il peut tuer personne. Un animal, quand il tue, il en tue une, mais c'est pas la folie, il en tue pas 100. Il y a que l'homme qui trouve des 100, qui tue des milliers, qui tue des centaines de milliers et des millions de personnes. Alors arrêtons de parler de est-ce que c'est un animal sauvage. Il n'y a pas d'animal sauvage, il y a des hommes sauvages et des hommes terrifiants, ça oui,
Parce que il y a des conflits, il y a des rapports d'influence, des pouvoirs dans la planète. Sur les animaux, ils sont tranquilles. Ils vivent dans un petit endroit en toute tranquillité. Donc quand je regarde les animaux, je me dis, quand même, ils cherchent à nous enseigner des choses dont on ne se rend pas compte et qu'on oublie. Mais il y a une vraie philosophie à regarder la vie des animaux.咱们这个国际大导演来了，广美作为国际影星是吧？你也跟他交流交流。其实你刚刚问到导演说他最喜欢的动物是什么？其实就像导演讲的，每一种动物，当你在拍摄它的时候，你可能就会发现它的可爱之处、它的热情之处、它的这个闪光点啊，各种的。所以像他原来拍那个微观世界，嗯，你过去你觉得很恶心的蟑螂啊、毛毛虫啊。 但是无限显微放大拍摄之后，哎呦，你觉得那个玲珑剔透这种感觉？那个您说到这个微观世界里面有个镜头，又是印象非常深刻。这个一只孑孓，就是这个蚊子的前身，它要蜕变成那只蚊子的时候，我觉得它的那个镜头简直是把它拍得非常的有仪式感。就是它从那个孑孓里面，你看到这个正反的倒影，然后那个蚊子把那个脚伸开来的时候。 再加上他的配乐，嗯，因为我还没有看《地球四季》，但是微观世界我看完之后，我推荐了无数的朋友去看这部电影，真的是非常非常棒。所以作为我这个铁杆粉丝啊，我是非常期待这个《地球四季》这部电影。是这个雅克导演，我觉得他好像是爱上了这个地球上的这种万物，而且呢，他好像是用他的镜头啊。 让我们从来没有看到、从来没有经历过的一个状态，去看这些海洽，看这些飞鸟啊，看这个地球上的这个奔跑的动物。所以我就觉得，您现在对这个地球上的动物是不是感情跟我们不大一样？因为跟他们长期纵横全世界几十个国家和地区。 你想他整天，我想恐怕他跟动物在一起时间比跟我们多，比跟人类多。您现在看到这个动物，您的感情是不是产生了类似于像兄弟或者像朋友，真的就有那种感情呢 ？Non, je partage. On a une vue commune. La vie commune, c'est celle des êtres vivants, des hommes, et puis aussi de tous les animaux. Et les animaux, vous avez raison de citer. Microcosmos, les petits insectes. Vous savez, les terres dans lesquelles il y a du blé, il y a des céréales. Donc pour avoir encore plus de céréales et puis faire encore des plus grands profits parce que les marchés ne sont encore plus grands, donc on va fertiliser la terre. Comment on va la fertiliser? Il faut plus qu'il y ait d'insectes parce que les insectes, c'est pas bien. Il faut qu'il y ait la terre profitable. Alors, on laisse les pesticides, on envoie des insecticides et on a une terre qui devient morte au bout d'un certain moment. Et il y a un grand savant canadien qui disait, vous savez ce qui me manque le plus sur terre? Ben, c'est le ver de terre. Le ver de terre, c'est celui qui va à l'intérieur de la terre, qui régénère la terre, qui donne de l'oxygène et qui, quand il y a le ver de terre, il y a tous les insectes qui sont là. Mais quand des insectes sont morts, il n'y a plus d'oiseaux, ils n'ont plus à manger. Et quand il n'y a plus d'oiseaux qui prennent des graines et qui vont les porter ailleurs pour fertiliser la terre, on a besoin de fertilisation. Donc on va avoir une terre avec beaucoup de céréales, mais à côté il n'y aura rien. Parce qu'il n'y a pas d'oiseaux et il n'y a pas de transmission des graines qui sont données par la fertilisation, qui sont données par ce qu'apporte l'oiseau, ce qu'apportent les plantes, le vent, tout ça. Si on enlève tout ça, mais on ne va pas parler de ça parce que je suis persuadé que l'homme va être raisonnable et que demain, dans 5 ans, dans 10 ans, ça y est, on aura trouvé la solution. Et donc, moi je pense aussi que quand on est au bord de la catastrophe, quand vraiment il n'y a plus moyen, c'est là où on devient un peu raisonnable. 那我也想问问您，拍了天上的飞鸟。
拍了这个海里的鱼类啊，他还拍了喜马拉雅山上的这个人啊，叫天地人嘛，陆海空。您的这个拍摄动物之旅啊，您下一步还想拍什么吗？je sais pas. Si je sais, mais je n'aime pas tout à fait annoncer les films. Parce que quand je les annonce, il faut que je cours après. J'ai l'impression que l'annonce du film va trop vite pour moi. Et donc j'ai besoin du temps pour réfléchir. Voilà. Alors donc, je sais pas. Je préfère dire je sais pas. Mais on a des projets. On a des projets. Voilà. Et puis, j'ai eu la chance d'avoir un camarade, jusqu'à présent, Jacques Cluzot. Et on s'entend très bien. Très, très bien. 当然，你原来是拍政治电影的，是从什么一个契机让你想拍自然当中的动物呢？ Parce que c'est politique, un animal. Parce que c'est politique. S'il y a plus d'animaux, s'il y a plus d'insectes, s'il y a plus rien dans les campagnes.C'est un rôle politique, c'est beaucoup plus important que les problèmes de balance commerciale.